Bonjour. Bonjour Yannick. Alors, vous êtes Los Dissidentes del Sucio Motel. Ouais, voilà, c'est bien. T'as vu, non, tu sais. Ah, ouais, ça, mais ça, c'est terrible. J'avais même pas parfait, fait gaffe. Voilà. Alors, présentez-vous. Vous venez d'où? On vient de Strasbourg, nord-est de la France, monsieur. Ok, vous faites quoi comme style de musique? Alors, on est plutôt identifié sur la scène stoner. Mais je dirais que c'est du stoner, mais pas que, quoi. Donc on a beaucoup d'influences metal, sludge, même punk rock. Ouais, mais il y a une certaine mélodie dans vos rock. Ouais, voilà. Vous a collé un peu l'étiquette post-stoner, en fait, sur cet album-là. Ouais, parce que c'est vrai que je vous ai découvert hier matin, et franchement, c'était terrible. J'ai dit, il y a de la mélodie, il y a tout, il y a... Voilà. Ouais, on est très attaché à ce sens de la mélodie. Ça a toujours été quelque chose qu'on a aimé mettre en avant. Et particulièrement sur le dernier album. D'accord. Alors combien d'albums déjà? Trois albums. Ouais, vous tournez depuis quand? Alors on existe depuis 2005. Mm-hmm. On a donc entre trois albums, en fait entre chaque album on sort aussi des EP. D'accord. Donc il y a une discographie qui est assez grande pour un groupe qui a 10 ans, 12 ans d'existence. Puis voilà, là, le dernier album est sorti septembre de l'année dernière sous le label Ripple Music, un label américain en Californie. Voilà. C'est pas trop dur d'aller taper à la porte des Américains? Ben écoute, ça s'est fait de manière vraiment super détendue. Ouais. Et tu sais, ça marche beaucoup, enfin c'est comme dans tout milieu, les rencontres c'est toujours ce qui fonctionne le mieux. Ouais. Et en fait, on avait participé à une petite compile il y a vraiment un bon moment, parce que c'était pour la sortie de notre premier album. Et il y a le bassiste d'un groupe qui s'appelle Z, qui était tombé dessus, donc c'est un groupe californien. Ouais. Et le mec avait dit, putain, j'adore ce morceau et tout, vous venez d'où? On a sympathisé un peu. Ouais, ouais. Et Romain, ensuite, il est parti en vacances aux États-Unis et il l'a rencontré. Et à la suite de ça, on est devenu un peu pote avec lui et son groupe. Ouais. Et quand nous on cherchait un label pour le nouvel album, je discutais justement avec Marc, qui s'appelle Marc. Je dis écoute, comment ça se passe avec Z et tout, j'ai vu que vous travaillez sur un nouvel album et tout. Il fait ouais, on vient de signer chez Ripple avec Mothership, Wofat et tout. Je dis putain, c'est du beau label déjà. Il dit tu crois que je pourrais lui envoyer du son et tout, t'as une adresse, un contact. Il fait ouais, vas-y, franchement, Todd, c'est un mec super ouvert, faut pas hésiter, je te file son contact et tout. Et coïncidence du hasard de la vie, Todd, le fameux patron de Ripple, il venait passer des vacances au marché de Noël à Strasbourg cet hiver-là. Et donc au marché de Noël, on s'est rencontrés, on a sympathisé, ça a super bien accroché. Sympathisé autour d'un bretzel. Et d'une tarte flambée. Et au final, on lui a envoyé les maquettes de l'album, du nouvel album. Ouais, ça lui a plu, il a dit on y va. Voilà. Tout bêtement. Alors maintenant, j'ai une question qui me brûle les lèvres et qui doit brûler les lèvres de tout le monde, de tous vos fans. Est-ce que je peux anticiper? Tu vas me demander le nom du groupe. Voilà. Parce que c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, bon, ça doit être un groupe d'Espagnols. Et mon collègue qui m'a dit, c'est des Strasbourgeois. Je dis, Strasbourgeois, t'es sérieux? Ouais, comme ça. Alors expliquez-moi l'histoire de ce nom. En alsacien, ça serait quoi, Dani? Tu parles alsacien, toi? Vas-y. Non, je le comprends surtout, je le parle. Non, c'est pas vrai, il le parle. Non, là, je pourrais pas traduire, c'est trop compliqué. Dissident, tu sais pas dire. Ah bah, dissident, non. Moi, je connais surtout les insultes en alsacien, mais... Bizarre, on les connaît dans toutes les langues. C'est aussi, c'est drôle. Alors, en fait, c'est l'aboutissement d'un brainstorming, on répète, au début de la création du groupe. Et on avait tous des groupes en parallèle, en fait. Ouais. Les dissidents, c'était vraiment un groupe récréation. Ouais. Aucune prétention pour s'amuser, quoi. Et en fait, la mère de notre bassiste, un jour, elle lui a demandé « Mais tu vas répéter avec ton groupe ou avec les dissidents ?» Parce qu'on était tous des dissidents de nos propres groupes. Et quand il nous a dit ça en répète, on a dit « Tiens, c'est pas mal, les dissidents. » Et on a gardé ce mot. Et puis après, chacun avait des petites envies. On voulait déjà quelque chose d'ancré sur la culture sud-américaine. Donc, on voulait, les motels que tu vois dans les films américains, ouais, tu vois. Ouais. Et puis moi j'avais envie d'un nom de groupe à rallonge, parce que de mes anciens groupes c'est des noms. Je trouvais ça rigolo d'avoir un nom. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais en tout cas. Si, parce que c'est pas facile à retenir, mais quand on le retient, on le retient. Et ça marque les esprits. Voilà. Ouais. Donc voilà, l'espagnol pour le côté de Chicanos des États-Unis. Ouais. Voilà.
tout bêtement. C'est merveilleux. Alors, vous avez joué hier matin sur la scène du Hellfest. Alors, c'était comment? C'était votre premier passage au Hellfest? Deuxième, premier sur la programmation officielle. On avait fait Metal Corner en 2011. Et là, c'était vraiment un gros cran au-dessus. Quoi. Ouais. L'expérience vraiment phénoménale. Quoi. C'est... Le public était chaud hein, matin. Le matin, c'est pas évident d'avoir un vraiment. Public qui est attentif. Ouais. Mais alors là, c'est... Aussi, oui. On s'est dit à 10h30, les gens. Voilà. Ouais, en général, il y a 4 pelés qui se réveillent, qui ouvrent un œil, mais là, c'était blindé. Je suis arrivé. Ils sont connus comme ça. C'était sans compter sur l'effet, je pense. Hellfest, ouais. Vallée, les gens savent qu'à la Vallée, il y a du stoner, voilà. Ou assimilé. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ils étaient tous motivés, vraiment. Enfin, on a vraiment halluciné là-dessus. C'est qu'ils étaient là, mais ils sont restés aussi, parce qu'ils auraient pu partir. Et ça a beaucoup réagi, tu sais, c'est un public qui est à part au Hellfest. Ouais. Tu vois, c'est des gens, c'est des connaisseurs. Parce que même s'ils viennent là pour faire la fête, même s'ils viennent là pour boire des bières, machin, c'est avant tout des mélomanes. Tu vois, les gens qui viennent ici, ils savent très bien ce qu'ils vont voir, tu vois. Et ils savent très bien ce qui se passe dans chaque scène, les thématiques. Et c'est ça qui est cool, c'est la force de ce festival. Et du coup, c'est vrai que. Tu te dis, je parle à un public d'averti, ils m'accueillent déjà les bras ouverts, tu montes sur scène et les gars ils sont déjà tous à fond, ils t'acclament et tout. Même s'ils savent pas ce que ça va être, ils savent que ça va être bon, c'est le style. Voilà, on va passer un bon moment ensemble, c'est ça l'idée. Quoi. Ouais. Et ça a été vraiment ça. Quoi. Et Dany et moi qui avons les micros, c'est vrai que c'est nous qui avons un peu la communication avec le public. Et, il y a ce côté magique, tu cries Hellfest et tout, et les mecs ils sont tout de suite à fond. Quoi. Donc c'est ça, pour ça, ça n'a pas de prix, c'est génial. Ouais. Alors en parlant de micros, justement, on est sur le stand de SP Custom qui nous accueille ici. Vous connaissez les micros de guitare SP Custom? Oui. Ouais. Vous travaillez avec déjà? Non, mais pourquoi pas. Voilà. Vous avez quoi de prévu? Alors, on a encore quelques petites dates là, qui vont arriver à la suite du Hellfest, notamment déjà mercredi, s'il y a des gens de Celesta qui nous écoutent et qui étaient peut-être là dans la vallée, sûrement d'ailleurs. Parce que, et donc là on joue sur la grande scène de la ville pour la fête de l'Asie. Avec Solstafir notamment. Voilà. Après on a on jouera chez Paulette le 1er juillet. Je suis de l'Est, je connais un petit peu les coins là-haut. J'étais dans les Vosges pendant 20 ans. Donc, d'accord. C'est une salle culte. Hein. Chez Paulette, ouais, elle est réputée, il faudra que j'y aille un jour, j'ai jamais eu l'occasion encore. Le 1er juillet, c'est l'occasion. Voilà. Ah ben voilà, je savais pas quoi faire le 1er juillet. On a le 27 octobre à Tours. Hein? On a le, je sais plus, début novembre aussi, un truc, la Phare les Oliviers sur un petit festival. Ah, la Phare les Oliviers, à côté de chez moi. Ah ouais? Donc je serai là pour... Avec plaisir. Non, je crois que c'est le... Non mais moi j'ai habité dans l'Est, j'ai ma famille dans l'Est, mais j'habite à Aix-en-Provence. D'accord. Je crois que c'est le 5 novembre, mais à vérifier. En fait, on essaye de monter un tour autour de ça, fin octobre, début novembre. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent programmer le groupe, sachez qu'on cherche des dates pour la fin d'année. Ok, il suffit d'écrire au groupe sur la page Facebook, ça ira très bien. Ok. Et puis après, on aimerait, c'est dans les tuyaux, on va dire, essayer de monter une petite tournée aux États-Unis via le label Ripple pour l'année prochaine. C'est pas encore fait, mais c'est l'objectif de l'année prochaine. Et là, c'est d'autres moyens. C'est une autre logistique, ouais. Mais c'est assez lourd, ne serait-ce qu'administrativement parlant. Ça a toujours été compliqué de tourner aux États-Unis, mais là, avec Trump au pouvoir, ça l'est encore plus. Oui. Il y a beaucoup de contrôles aux frontières sur les musiciens et tout. Donc on veut faire ça correctement dans les règles de l'art, ouais. Et pas prendre de risques. Voilà, c'est un truc dont on rêve depuis longtemps, parce que c'est une musique qui vient de là-bas. Et, même si on a dans nos influences aussi beaucoup de rock 70s, des groupes anglais, ouais. Led Zepp, Black Sabbath, etc. Ouais. Le stoner, il est né aux États-Unis. Mmh. Et c'est une forme de reconnaissance aussi de te dire que ta musique, elle leur parle à ce public-là. Ouais, quoi, ouais. Parce que c'est né chez eux, ça leur parle forcément. Quoi. Bon, alors Donald, si tu nous écoutes... Fais ce qu'il faut pour que les petits jeunes puissent venir jouer chez toi. Voilà. Bien, ben messieurs, on va vous laisser continuer parce que j'imagine que la journée est encore bien chargée. Hein, il y a toujours à faire sur un festival. Toujours à faire, ça. Hellfest.
Alors merci à vous, bonne continuation, et puis on se revoit à la Forêt des Oliviers à la fin de l'année. Hein. Mais carrément, la tienne et longue vie au Hellfest. Ciao. Salut. Merci messieurs, on va faire une petite photo souvenir. Ouais.